Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là, depuis Bombard au police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi, nous allons parler des maladies qui a propagé dans toute vie nationale là. Mais avant de faire ça, équipe Bombard Media now là, je voulais remercier tout le monde qui toujours mange Bombard Media now pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard au police, équipe Bombard Media now là, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien, on va perdre du temps, n'a pas déroulé avec information yo. En noué. C'est un total 3 employés médicaux dans l'hôpital Saint-Thérèse dans Miyagouane qui testaient positif dans la maladie parmi 7 personnes dans le département ça. Malade ça a placé en mise au demeure d'après directeur département Niplan, santé publique là, docteur Jacques Laroche. C'est information ça à nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier à. Direction départementale santé publique NIP fait état de un total 7 monde qui contaminés par nouveau coronavirus dans le département. Parmi 7 cas, nous jeunes 3 employés personnels médicaux de l'hôpital Sainte-Thérèse Miragouane et l'autre citoyen. Et l'autre cas enregistré notamment de la commune Fondeneg et Yon Payan. Directeur départemental qui confirme l'information, parler de dispositions qui prennent un intérêt personnel soyons en particulier à toute population en général. Docteur Jacques Laroche. Concernant inquiétude moun nan population Miragouane face à comportement quelques moun santé publique ni placé en quarantaine domicile qui toujours a circulé, docteur Laroche pa bay garantie li ka empêche moun yo vaké activité yo. Toutefois, li conseiller tout moun qui était en contact ak yon moun qui trape maladie ya pour mettre en application toute consigne barrière yo. Direction santé publique ni mande toute population rete tête frette puisque toute disposition déjà prend n'a pas trop longtemps pour préparer un espace avec une capacité sans cabane cap gain tout l'autre matériel nécessaire pour prendre en charge malade coronavirus. La caille pour combattre coronavirus, c'est sous thème ça. Le ministère qui est dit a réalisé un concours poésie ça. Concours a concerné monde qui gagne entre 10 à 35 l'année. Participant André écrit un recueil qui gagne pour pipiti 60 pages. Faut que Zévlien reflète la réalité. Oui, donc c'est un concours national de poésie. A bien pour gagner un lauréat national en créole, un lauréat national en français, et puis a choisi le meilleur texte par département. Nous avons besoin de payer, donc les gratuits, enregistrement capable de faire à partir de page Facebook du ministère là, ou bien de cliquer concours sur Internet, il y a capable. À travers Viguron, une équipe ministère qui est réalisée dans le Grand Noir, représentant ministre explique Genio bien fondé concourant et puis invité à saisir l'opportunité ça qui permet grand public de découvrir talent avec valeur région. Nous invitons artistes, jeunes auteurs, jeunes talents à travers tout le département du pays pour réfléchir sur ce thème, pour avec de belles paroles, de belles mots, inviter la population à réfléchir, même tout pour parler sur ce qu'il y a vivre, sur ce qu'il y a, qui s'est passé sous corona. En façon pour nous faire que la littérature li bouger un petit gens pendant des problèmes corona, nous connaissons que artistes réfléchissent à partir de l'environnement en général. Donc nous invitons à réfléchir, regarder corona, ou l'autre genre de l'opportunité, l'opportunité pour être capable d'écrire et pour avoir une chance de publier œuvre. Autorité dans la région salue l'initiative là pendant encourager responsable ministère à entreprendre notre activité pour toucher l'autre catégorie d'artistes dans le secteur. C'est une belle initiative parce que nous pensons que et nous comprenons que le monde ça a même dans le domaine par eux qu'à exprimer, qu'à faire sortir message, véhiculer message qui gagne, qui a combattu un peu la pandémie que le coronavirus là qui a fait à pire le problème. Et même je dis à la nous réunir avec eux, il y a toute possibilité pour vous contacter, pour mesurer tout ça à faire dans le département nord-est là pour qu'à c'est une solution régionale pour le département dans le domaine culture. Parce que c'est agent culturel, nous pensons que le moment, vraiment, c'est un moment qui demande tout le monde de mettre la patte là. Nous pensons que c'est important
Et moi-même, comme délégué départemental, je félicite la délégation, je félicite le ministre de la Culture, M. Poadel Henriques. Et moi, dis M. Camille, et merci en pile parce qu'il était pensé à département Nord. Et tout acteur, tout opérateur socioculturel était très content pour te recevoir. Responsable du ministère qui dit, Dieu prévoit passer message en sensibilisation ça dans l'autre région du pays. Selon vous, l'activité ça rentre dans quatre stratégies mis sous pied pour aider plus de monde à participation dans le travail de sensibilisation qu'a fait contre le coronavirus. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.